Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Mon bel oranger. Il s'agit d'un roman de José Mauro de Vasconcelos publié en 1968. Le narrateur, qui s'appelle José, est surnommé Zézé et il habite au Brésil dans la ville de Rio. C'est un petit garçon de 5 ans qui doit tout apprendre seul, ce qui le conduit à faire des bêtises et être puni. Il aime chanter, mais ne pouvant chanter, il chante en dedans. Il veut devenir un poète et porter des nœuds papillons car les poètes portent tous des nœuds papillons comme le montrent les photos de poètes de l'oncle Edmundo. Ce jour-là, il se promène avec son frère Totoka qui lui apprend à traverser la rue. Son frère lui montre ensuite la maison dans laquelle ils vont déménager. La famille doit plusieurs mois de loyer. Elle s'est appauvrie depuis que le père a perdu son travail. La mère a un travail pénible dans une fabrique. Contre le fait que Totoka lui ait montré qu'il était son ami, il veut savoir comment Zézé est parvenu à lire sans que personne ne lui apprenne. Zézé ne le sait pas lui-même. Contre une lecture à son oncle, il est parvenu à avoir en échange un cheval à roulettes. Zézé emmène son petit frère Louis au jardin botanique. Il s'agit en réalité d'une partie de leur jardin. Quand il dit montrer un lion et une panthère, il s'agit d'une poule noire et de deux poules blanches. Devant Louis, Zézé étale sa science alors qu'il n'y connaît rien. Ses deux sœurs, Lala et Gloria, ne sont pas loin. Zézé a peur de recevoir une punition car plus tôt dans la journée, il a coupé une corde à linge. Lala finit par lui mettre un coup de savate. La mère et les enfants vont voir leur prochaine maison. Le déménagement aura lieu le surlendemain de Noël. Ils visitent le jardin et l'intérieur de la maison. Des enfants s'approprient des arbres. Pour Zézé, il ne reste plus que le pied d'orange douce qui ne lui plaît pas. Cependant, Zézé change d'avis quand il entend que l'arbre lui parle. Il lui dit qu'une fée lui a jeté un sort et qu'il ne parlera que lorsqu'un petit garçon deviendra son ami. L'arbre l'invite à monter sur sa seule branche. Zézé est inquiet car à cause du déménagement, il a peur de perdre son ami la chauve-souris appelée Luciano. Son oncle Edmundo le rassure à ce sujet en lui disant que Luciano trouvera la maison ou qu'il fera parvenir à Zézé un messager. Pirichino dit à Zézé que le patron de la fabrique a commandé un camion plein de jouets et qu'il en fera la distribution demain à 8h devant le casino. Zézé aimerait y être. Il tente de convaincre Gloria de l'emmener, mais il n'y parvient pas. Le lendemain, Zézé profite de l'absence de Gloria pour préparer son petit frère et lui-même afin d'aller à la distribution de jouets. Au moment de sortir, il croise Gloria qui dit ne pas pouvoir les emmener. Cependant, cela l'embête de laisser deux enfants si jeunes aller chercher les jouets seuls. Ils partent avec le facteur qui les lâche en cours de route. Les deux garçons n'arrivent que trop tard à la distribution de jouets. L'absence de jouets les fait pleurer tous les deux. Zézé veut offrir à Louis son cheval à roulettes après que Totoka l'ait réparé. Au réveillon de Noël sont invités l'oncle et sa mère Dindina. Le repas consiste seulement en du pain perdu au vin préparé par Dindina. La famille et les invités passent un Noël triste. Zézé laisse ses chaussures devant la porte en espérant recevoir quelque chose. Le lendemain matin, il n'y a rien et Zézé se plaint d'avoir un père pauvre. Ce dernier, qui était dans les parages, a tout entendu. Pour se faire pardonner, Zézé part avec sa caisse de cirage. Il a beaucoup de mal à trouver des clients ce jour de Noël. Finalement, Seu Coquino lui demande de cirer ses chaussures. Alors que Zézé lui demande 200 reis, l'homme lui en donne 500. Zézé cherche encore à cirer d'autres chaussures, mais il ne trouve personne. Une dame en voiture a pitié de lui et lui donne 500 reis. Zézé se rend à la maison de Serguino où l'enfant est en train de jouer avec son nouveau vélo. Il a reçu plein d'autres cadeaux. En apprenant que Zézé n'a rien eu pour Noël, Serguino veut le faire entrer chez lui pour qu'il mange de la nourriture ou que sa mère lui prépare un paquet. Zézé refuse par peur de se faire rabrouer. Zézé dit qu'il a encore besoin de 2 sous. Serguino les lui prête. Zézé se rend à la boutique appelée Misère et Famine. Il achète des cigarettes et il va les offrir à son père. Après les lui avoir données, Zézé en pleure d'émotion. Zézé est sur la charrette qui amène les affaires de la famille à la nouvelle maison.
Une fois arrivé, il rejoint et parle avec l'arbre qu'il a appelé Mingino ou Zururuka. Zézé fabrique un cerf-volant avec un bar. Il le fait fonctionner la nuit et il fait peur à une dame enceinte qui pense avoir vu un serpent. Des personnes remarquent qu'il s'agit d'un bât et que la ficelle mène dans le jardin de la famille de Zézé. Après avoir trouvé Zézé caché dans le panier à linge, sa mère le bat. Le lendemain, Zézé va voir son oncle. Il lui parle du chanter en dedans et de son oiseau qui lui murmurait des choses et auxquelles il ne croit plus. L'oncle lui dit que ce changement est dû à l'apparition de sa conscience et de l'âge de raison. Zézé va voir son arbre et il lâche son oiseau qui était à l'intérieur de lui et qui va rejoindre un nuage. Gloria amène Zézé à l'école pour l'inscrire. Zézé a en réalité 5 ans, mais sa sœur le fait passer pour un enfant de 6 ans. On leur donne 2 costumes d'écolier. Zézé raconte ses journées d'école à son arbre. Sa maîtresse s'appelle Donna Cecilia Payne. Elle donne à Zézé quelques pièces pour qu'il puisse acheter des beignets. Elle est la seule maîtresse à qui les élèves ne donnent pas de fleurs car selon Zézé, elle est laide à cause de sa tache sur l'œil. Zézé lui offre une fleur. À son arbre, Zézé parle de faire la chauve-souris sur des voitures. Il s'agit de s'accrocher à la roue de secours placée à l'arrière d'une voiture. Le projet de Zézé est de faire la chauve-souris sur la voiture du Portugais appelé Manuel Valadares, qui était un homme qui effraie les autres enfants. Un soir que sa mère rentre de la fabrique, Zézé lui demande d'acheter un costume vert qu'un de ses camarades vend. Il met en avant ses bons résultats scolaires, son manque d'habits neufs et son envie d'avoir un costume de poète. La mère consent à travailler la nuit pour lui payer son costume. La maîtresse apprend que la fleur que lui a donnée Zézé a été volée dans un jardin. Zézé parvient à faire pleurer sa maîtresse en parlant de Dorotilia qui est une fille encore plus pauvre que lui avec qui il partage son beignet. Un mardi, Zézé décide de faire l'école buissonnière car il veut suivre quelqu'un. Il s'arrête à l'église. Un homme lui apprend qu'à 6 ans, il peut commencer le catéchisme. Zézé parvient à avoir des bouts de bougie pour soi-disant solidifier la corde de son cerf-volant. En réalité, Zézé frotte les bougies sur un trottoir, ce qui fait tomber une passante. Zézé voit l'homme qu'il recherche et il l'entend chanter. Cet homme vend des feuillets. Subjugué par le chant, Zézé se met à le suivre. Il veut travailler pour lui, même gratuitement. Il voudrait à la fin avoir un feuillet pour le donner à sa sœur Gloria. Ils travaillent la matinée ensemble. Cet homme, qui s'appelle Ariovaldo, lui propose de se revoir mardi prochain. Zézé parvient à convaincre Gloria de le laisser travailler pour Ariovaldo le mardi et de ne pas l'envoyer à l'école. Elle accepte. La semaine suivante, Zézé retrouve Ariovaldo. Zézé le conseille sur ses chansons à chanter. Ariovaldo finit par lui donner une partie de la somme gagnée car ils deviennent des duettistes. Une femme les voit chanter. Elle voit de l'exploitation et elle veut les dénoncer. Ariovaldo la menace avec un couteau pour la faire partir. Gloria prépare Zézé pour l'école. En chemin, il pense à faire la chauve-souris avec la voiture du Portugais, chose que personne n'a encore osé. Il tente de le faire, mais le Portugais le remarque et il lui donne une fessée. Zézé se sent humilié et il dit qu'il le tuera quand il sera plus grand. Totoka vient voir Zézé. Il veut qu'il se batte à sa place avec Bié à la sortie. Zézé ne fait pas le poids contre un garçon plus grand que lui et il finit très amoché. Un homme vient les séparer. Zézé raconte son histoire à son arbre. Louis vient et il veut jouer avec son grand frère. Zézé joue à la chasse. Il monte sur l'arbre et il se prend pour un shérif. Louis ne veut pas jouer car dans l'histoire de Zézé, il y a trop d'Indiens. Zézé fait tout pour éviter le Portugais et il modifie son parcours pour aller à l'école. Il ne se rend pas compte que les gens de la rue ont déjà oublié son histoire. L'oranger a grandi. Zézé le harnache avec des capsules de bouteilles. Quand elles s'entrechoquent, il a l'impression d'entendre le bruit des éperons. Les mardis, Zézé continue de voir Ariovaldo. Zézé est sage à l'école. Il est toujours le chouchou de sa maîtresse qui ne croit pas le mal qu'on dit de lui. Elle lui donne toujours de l'argent pour qu'il s'achète des beignets. Le Portugais passe parfois vers lui et il le klaxonne. Zézé l'ignore. Alors qu'il est en pénitence près de son arbre, il veut voler des goyaves chez un voisin. Il s'y rend, mais il est remarqué.
Zézé s'enfuit et il marche sur un morceau de verre. Il n'ose pas dire qu'il est blessé car il a désobéi en quittant son arbre et car il craint une fessée. Il n'en parle qu'à Gloria qui le couvre auprès des autres. Le lendemain, Zézé veut tout de même aller à l'école. Quand il est dans la rue et qu'il marche lentement, le portugais le klaxonne. Le portugais le transporte jusqu'à l'école. Le portugais l'amène finalement chez un médecin, puis il le ramène à la maison de Zézé. Zézé s'est rendu à la maison du portugais. Il raconte sa visite à son arbre qui en devient jaloux. Zézé raconte sa vie au portugais. Il pense être un mauvais garçon comme sa famille le lui a dit. Il dit recevoir beaucoup de fessées pour ses bêtises. Il lui fait la liste de ses sottises. Zézé continue de monter dans la voiture du portugais, mais personne d'autre, à part eux deux, sont au courant. Zézé lui parle de sa mère indienne qui travaille dans une fabrique et qui a eu une hernie à cause de son travail pénible. Il lui parle aussi de sa sœur aînée qui a plusieurs amoureux. Zézé dit au portugais qu'il n'a plus envie de grandir pour le tuer. Il sait maintenant qu'il n'est pas un anthropophage. Derrière une médaille avec une tête d'indien que lui a donné son père, il est écrit « Carborundum », mot que ni l'un ni l'autre ne connaissent. Zézé lui parle de son pied d'oranger. Zézé voudrait le tutoyer. Le portugais est d'accord avec cela. Zézé voudrait aussi l'appeler autrement que Manuel Valadares. Désormais, il l'appellera Portuga. Portuga l'autorise à faire la chauve-souris sur sa voiture. Totoka apprend à Zézé à faire des ballons en papier. Zézé se met en tête d'en faire un soi-même pour impressionner son arbre et Portuga. Pour acheter les feuilles de papier de soie, il vend des billes et des images à un de ses amis. Zézé se rend à la boutique Misère et Famine pour acheter son papier. Le soir, Randira déchire son ballon car Zézé s'entête à vouloir le finir alors qu'il est temps de manger. Il l'insulte et elle lui donne des coups de martinet, ce qui ne met pas fin aux injures de Zézé. Ce dernier est ensuite battu par Totoka. Gloria vient aider Zézé. Les jours suivants, Zézé est trop abîmé pour aller à l'école et il ne voit pas Portuga qui lui manque. Zézé s'aperçoit que son père est triste. Il décide de lui chanter une chanson, mais sans s'en rendre compte, il lui chante une chanson paillarde. Tandis que son père lui demande de la chanter, il lui met des gifles. Zézé se rebelle. Son père le bat avec une ceinture. Gloria l'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Zézé tombe malade. Zézé met une semaine avant de se rétablir. Quelque chose s'est cassé dans son esprit. Le jour où il peut aller à l'école, il rejoint Portuga. Zézé demande à ce qu'il fasse un tour en voiture. Zézé lui raconte ce qu'il s'est passé chez lui. Il sait que sa famille a des difficultés, mais il sait aussi qu'il ne devrait pas tant le battre. Zézé veut tuer son père dans son cœur en cessant de l'aimer. Il dit à Portuga qu'il est son seul ami. Il lui dit son intention de se suicider en se jetant sous un train appelé le Mangarabita. Portuga l'en dissuade. Portuga veut l'emmener aller pêcher samedi. Zézé lui raconte le jour où il a mis le feu sous le hamac de son oncle. Portuga l'emmène voir son arbre qu'il appelle Reine Charlotte. Pendant que Portuga pêche, Zézé se promène et s'amuse. Au moment de déjeuner, Zézé est sale et Portuga lui demande de se laver dans l'eau. Il aperçoit les traces de coups sur le corps de Zézé. Au moment de la sieste, Zézé lui propose de l'adopter. Portuga dit qu'il ne le peut pas, mais qu'il va l'aimer comme un fils. Zézé parle à son arbre. Il lui raconte les tendresses de Portuga et son projet d'avoir 24 enfants dont la moitié seraient des adultes pour qu'ils s'occupent d'accomplir les rêves des plus petits. Totoka demande à Zézé de lui prêter 400 reis. Comme Zézé ne le veut pas, Totoka lui propose deux révélations contre l'argent demandé. Il lui dit que leur père a trouvé une place de gérant dans une fabrique. Il lui dit aussi que son pied d'oranger va bientôt être détruit pour élargir la rue. Zézé lui passe l'argent pour apparemment aller au cinéma voir Tarzan. Zézé y est déjà allé la veille avec Portuga alors qu'il était interdit de cinéma durant un an. Quand la maîtresse demande d'écrire au tableau une phrase inventée, Zézé y va le premier. À l'école, un de ses camarades dit que la voiture de Manuel Valadares est en miettes après avoir été percutée par un train appelé le Mangarabita. Zézé court pour aller sur le lieu du drame. Un homme lui dit que c'est seulement l'auto qui est très abîmée et qu'il pourra l'emmener faire des visites à Portugal à l'hôpital.
Zézé sait que Portuga est mort. Totoka retrouve son frère dans la rue avec une forte fièvre. La famille pense que Zézé va mourir. Un médecin vient et diagnostique un choc. La famille pense que le choc est dû à l'histoire de l'abattage du pied d'oranger, alors qu'il est dû à la mort de Portuga dont Zézé repense. Les gens de la rue lui rendent visite et sont gentils avec lui. Même Seu Ariovaldo vient le voir. Zézé fait un rêve dans lequel son arbre l'emmène se promener et manque de se faire écraser par le Mangarapita. Quelques jours plus tard, Zézé va mieux. Gloria lui amène la première fleur de son arbre. Avec son petit frère, Zézé va au fond du jardin. Quand Louis l'interroge sur la panthère noire, Zézé ne lui dit pas qu'il s'agit de la poule qu'il a mangée en bouillon, mais qu'elle est partie en Amazonie. Il préfère que son petit frère garde ses illusions. Zézé a dit adieu à son arbre. Le père a été nommé gérant de la fabrique. La mère et les filles pourront ne plus travailler. La famille sort de la misère. Ils vont déménager dans une maison plus grande. Zézé ne reconnaît pas son père en son père. Les arbres de la nouvelle maison ne l'intéressent pas. Son père lui dit qu'il sera loin lorsque l'oranger sera abattu, mais Zézé dit que son oranger a déjà été coupé. À 48 ans, Zézé a toujours l'impression d'être un enfant. Portuga lui a appris la tendresse et il essaie de la reproduire, sans quoi la vie n'est pas grand-chose. Deux éléments fantastiques sont dans la vie de Zézé. Il y a l'oiseau à l'intérieur de lui et l'oranger. Ils disparaissent après un choc. L'oiseau s'envole après le coup du cerf-volant et l'oranger a perdu sa magie après la mort de Portuga. Les chocs sont dus au déséquilibre qu'il y a entre le comment l'enfant est, comment les autres le voient, comment les autres sont et les besoins de l'enfant. Zézé est un enfant intelligent. Cela se voit dans ses questions, dans ses réflexions, dans ses résultats scolaires et dans le fait qu'il sache lire sans que personne ne lui ait appris. Il a des idées que l'on n'a pas à cet âge, telles que l'idée de se suicider, l'idée de travailler ou l'idée que l'on n'aurait pas dû naître. Cependant, en raison de son jeune âge, il ne comprend pas toujours ce qu'il fait. Par exemple, il chante une chanson « Olé olé » à son père. Il ne comprend pas pourquoi il doit agir autrement que les adultes qu'il copie. Par exemple, il ne comprend pas pourquoi les adultes peuvent employer des gros mots alors que lui non. Zézé ne semble pas être responsable de ses bêtises. Quand il est sur le point d'en faire une ou qu'il en a fait une, il dit que c'est le diable qui l'a poussé à la faire. Il est aussi souvent question de Jésus à qui Zézé voudrait ressembler. Il est persuadé d'être méchant car sa famille n'arrête pas de le lui dire. Zézé n'aime pas être frappé et quand il fait une bêtise, il tente d'échapper à sa punition. Ce qui est étrange, c'est qu'à l'école, il ne fait pas de bêtises. Il ne fait des bêtises que chez lui. Suite à ses sottises, il se fait battre. C'est à se demander si la relation n'est pas inverse, c'est-à-dire qu'il fait des bêtises car il est battu. On peut penser que si des membres de sa famille sont violents avec lui, c'est car elles ont elles aussi connu la violence. Zézé est un être singulier, car au lieu de reporter la violence sur autrui, il utilise la gentillesse et la compréhension vis-à-vis des autres. Zézé doit faire face à deux sortes de douleurs. Il y a la douleur qui fait grandir et la douleur qui empêche de grandir. Celle qui l'empêche de grandir est celle due à la maltraitance familiale. Celle qui le fait grandir est la mort de Portuga, mais aussi la douleur d'autrui qu'il ressent car il a une forte empathie. Le roman s'achève quand Zézé a atteint la raison qui est intervenue non pas à 7 ans, mais à 5 ans. Zézé évolue dans une famille concernée par la pauvreté. Par exemple, il ne porte ses chaussures qu'avant de pénétrer à l'école et la famille ne peut pas lui acheter ses uniformes d'école. Les souhaits de Zézé sont pourtant simples. Il veut offrir une fleur, il veut avoir un vrai repas de Noël, il veut avoir des cadeaux de Noël, il veut avoir des habits neufs, il veut avoir un ballon en papier, un cerf-volant, des images, des billes, etc. Ses désirs simples sont difficilement comblés ou ne le sont pas. Il vit dans une famille où il n'est pas compris. Sa mère passe son temps à travailler à la fabrique. Son père est absent mentalement tant il est triste. La plupart de ses frères et sœurs le battent. Il n'y a que Gloria qui prend sa défense. Lui-même s'occupe de lui qu'il cherche à préserver. Même si sa famille est brutale avec lui, elle aime tout de même Zézé. Ceci se voit quand sa famille est inquiète et pense qu'il peut mourir.
Malgré tous ses malheurs, Zézé fait preuve de gentillesse auprès des autres. Ainsi, il offre une fleur à sa maîtresse laide. Il offre des cigarettes à son père. Il donne une partie de ses beignets à une fillette encore plus pauvre que lui. Au réveillon de Noël, il ne dit que du bien de sa famille à Totoka, alors que certains membres le frappent. Bien plus que de la pauvreté, Zézé souffre de la solitude, d'où sa création d'amis imaginaires, tels que sa chauve-souris, son arbre qui lui donne toujours raison, ou des cow-boys apparus dans des films. Zézé se décharge de ses expériences bonnes ou mauvaises sur l'arbre comme il le ferait auprès d'un psychologue, car il n'a pas d'oreille pour l'écouter. Dès l'apparition de Portuga, Zézé parle moins à son arbre car il a maintenant une vraie personne à qui raconter les événements de sa vie. Zézé reçoit tout de même de la tendresse de la part de quelques personnes. Il se fait beaucoup d'amis chez les adultes et a peu de relations avec les enfants de son âge ou alors des relations qui n'ont pas la même intensité. Il y a sa sœur Gloria qui malheureusement ne peut pas toujours être avec lui à cause du travail. Il y a Portuga avec qui il garde secret de sa relation. Il y a sa maîtresse qui ne peut intervenir qu'à l'école. Il y a Louis qui l'aime car Zézé le protège et prend soin de lui. Il y a son oncle qui répond à certaines de ses questions et que Zézé voit comme un savant alors qu'il a juste le savoir d'un adulte. Il y a Ariovaldo avec qui il peut chanter. Le seul moment où Zézé peut s'exprimer, c'est quand il chante avec Ariovaldo. Auparavant, il devait chanter à l'intérieur de lui-même. Les années ont passé, mon cher Manuel Valadares. J'ai maintenant 48 ans et parfois, dans ma nostalgie, j'ai l'impression que je suis toujours un enfant, que tu vas apparaître à l'improviste et m'apporter des images de vedettes ou bien des billes. C'est toi qui m'as appris la tendresse de la vie, mon cher Portuga. Maintenant, c'est à mon tour de distribuer des billes et des images, car sans tendresse, la vie n'est pas grand-chose. Parfois, je suis heureux de ma tendresse, parfois je me trompe et c'est le plus fréquent. En ce temps-là, au temps de notre temps, je ne savais pas que, bien des années avant, un prince fou, l'idiot, agenouillé devant un autel, demandait aux icônes, les yeux pleins de larmes, « Pourquoi raconter les choses aux enfants ?» La vérité, mon cher Portuga, c'est qu'à moi, on les a racontées très tôt. Adios.